Salut fidèles abonnés, une fois de plus, ravi d'être avec vous à travers cette vidéo. Théorique sans pratique n'est que perdre de temps. Là, je suis d'accord que vous et moi, nous sommes en accord par rapport à cela. Alors, nombreux sont ceux, les producteurs, qui ont des projets de lancer un verger. Ou nombreux sont ceux qui ont mis des vergers sur pied, qui ont des soucis. Des soucis notamment au niveau du choix des semences, des soucis notamment au niveau de la conduite de l'exploitation. Des soucis au niveau de la gestion. Alors, pour cette raison, nous avons pensé idéal et important d'organiser une formation pratique le 23 mars 2019 à Yaoundé pour vous mettre comme ça en accord au milieu de la formation, pour vous mettre comme ça dans le bain en ce qui concerne l'agrumiculture. Alors, rendez-vous le 23 mars sur la formation concernant l'agrumiculture. Nous allons nous plonger en plein dans la formation. Nous allons comme ça apprendre comment faire le griffage, apprendre comment faire le marcottage, comment assurer la gestion d'une exploitation, comment reconnaître une maladie, comment la traiter, comment la soigner, comment l'identifier. Oui, c'est le 23 mars, on abordera tout cela. Vous pouvez imaginer, observer comme vous voyez là, nous sommes ici dans cette jolie pépinière. Oui, cette pépinière là, nous avons des plants de qualité et en quantité. Où que vous soyez, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et autres, nous vous fournissons des plants de qualité et en quantité. Or, voilà notre pépinière qui se porte très bien. Vous voyez par exemple comme ici, nous avons un plant déjà qui est en floraison. Un plant qui a près de 6 mois. 7 à 6 mois déjà, c'est en floraison. Donc on peut dire que avec nous, c'est la garantie des plants de qualité. Non seulement la garantie des plants de qualité, mais le suivi est en champ. Alors, venez nombreux assister à la formation du 23. Vous ne serez pas dessus. Au sortir de la formation, vous saurez comment choisir les bons plants en pépinière. Comment choisir telle variété et non pas autre variété. Pourquoi cette variété et non pas autre variété? Vous saurez comment faire le griffage, comment marcoter, comment reconnaître une maladie, comment l'identifier, comment la soigner, comment mettre sur pied en terre, faire le planting d'un plantable futur. Oui, ça paraît banal, mais il y a beaucoup qui échouent dans le projet ou qui échouent dans l'agriculture parce que non, la mise en terre n'a pas été respectée selon les canaux, selon le respect des règles de l'art. Alors ce jour, on va vous montrer comment partir d'un plan pour une récolte garantie. Comment mettre un plan en terre? Oui, ce jour, on va aborder tous ces aspects de l'agriculture et ce, de façon pratique, car avec AgroSud Consulting, fini la théorie, fini les salles de PowerPoint et autres. Non, c'est la pratique rassurée à 100%. Ceux qui ont assisté à la première édition sur la culture du bananier planté n'ont pas été dessus. Alors, j'espère que vous allez rejoindre cela pour la deuxième série de formations que nous avons mis sur pied, qui est la formation de l'agriculture. Alors, disons-nous seulement rendez-vous le 23 mars pour la formation pratique. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt.